Bonjour, moi c'est Morgane, j'ai intégré le master ingénierie de la filière fruits et légumes en septembre 2019. À la fin de ma licence, je me suis rendu compte qu'il me manquait des bagages techniques, et notamment une spécialisation dans le domaine des fruits et des légumes. Du coup, ça m'a permis d'avoir des connaissances théoriques et des connaissances pratiques sur l'ensemble de la filière des fruits et des légumes, c'est-à-dire en production, en conservation, en conditionnement, jusqu'à la commercialisation, voire chez le consommateur. J'ai choisi cette master en alternance parce qu'il me permet d'avoir 2 ans d'expérimentation professionnelle. L'avantage d'une formation en alternance, c'est qu'on a une partie théorie qu'on va pouvoir appliquer dans l'entreprise. Et c'est très formateur puisqu'on va pouvoir connaître réellement les besoins et les attentes de la filière. Pour moi, il était vraiment important de sortir à la fin de ce master-là avec des connaissances théoriques et pratiques. Mixer théorie et pratique permet de se connaître davantage et d'avoir beaucoup plus de compétences en sortie de master. L'entreprise m'a contactée pour faire l'alternance chez elle. Ce choix d'alternance et de master a été confirmé par le conseil des professionnels de la filière. Ce qui me plaît tout simplement dans cette formation, c'est d'apprendre tous les jours sur la filière fruits et légumes et notamment le post-récolte. C'est vraiment très enrichissant et de là, je vais avoir une grande connaissance de cette filière-là, connaître les métiers qui existent. Donc 2 ans de formation théorique, 2 ans de formation professionnelle en entreprise, je vais pouvoir répondre aux besoins des attentes de la filière fruits et légumes dans le bassin du Sud-Est, qui est un grand producteur de fruits et de légumes. En entreprise, je suis chargée de recherche et développement qualité pour trouver des moyens d'améliorer la qualité post-récolte des pommes et des poires. La formation se trouve dans un territoire qui a de forts potentiels dans la production des fruits et des légumes. Auparavant, avant ce master-là, je me suis rendu compte que le domaine de fruits et des légumes avait besoin d'aide, tout simplement parce que nous sommes en train de changer notre mode de consommation. Et donc, il faut répondre à une demande de plus en plus croissante et une demande de plus en plus exigeante. Dans 10 ans, c'est sûr, je travaillerai pour la filière fruits et légumes. Pourquoi pas continuer dans la recherche et développement et potentiellement devenir formatrice ou travailler dans la recherche pour trouver de nouvelles innovations dans la conservation des fruits et des légumes. Je vais sortir de ce master avec une vision globale de la filière et ainsi récolter le fruit de mon travail.